Bonjour à tous. Monsieur le Président de la communauté de communes Vierzon-Solène-Berry, cher François Dumont. Madame la maire de Vierzon, Madame Olivier, qui malheureusement est souffrante et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Monsieur le conseiller régional Philippe Fournier. Monsieur le député Nicolas Sansu. Et je voulais saluer également Monsieur Jean-Pierre Saunier, le président du conseil département, ancien président du conseil départemental, mais surtout mon prédécesseur, président du CNAM Centre-Val de Loire, et qui a fait beaucoup pour nous et pour le CNAM dans la région. Merci. Alors, chers collaborateurs, chers amis, mesdames et messieurs les élus, et chers enseignants et formateurs, c'est avec grand plaisir et une certaine émotion que j'ai le plaisir d'introduire en votre présence l'inauguration de nos nouveaux locaux à Vierzon. L'histoire entre le CNAM, Centre-Val de Loire et Vierzon date de nombreuses années, mais grâce à l'appel à manifestation d'intérêt au cœur des territoires initié par notre ancien administrateur général Olivier Faron, un nouvel élan a été donné en 2020. On me dit même que c'est 2019, mais bon, c'est entre les deux. Un beau travail de co-construction et de collaboration s'est mis en place pour élaborer un projet au service du territoire et participer ainsi au développement de sa dynamique autour de la filière numérique en premier lieu, mais également proposer une offre de formation en destination des entreprises, mais aussi des particuliers, des hommes et des femmes désireux de faire évoluer leurs compétences. Depuis plusieurs années, le CNAM Centre-Val de Loire avait déjà fait le choix de passer à Vierzon sa formation de coordinatrice d'activité et de soins en structure sociale et médico-sociale, grâce à Jean-Pierre. Cette formation draine des personnes de toute la région et même des régions limitrophes. Le CNAM, après la signature de notre convention en présence de Cédric O, à l'époque ministre du numérique, et de l'administrateur général du CNAM, s'est installé en janvier 2020 au sein de la maison des cultures professionnelles, juste à côté. Nous accueillons dans un premier temps, avec cette nouvelle installation, Karine Lefrançois, notre coordinatrice territoriale et pédagogique, et Séverine Mouvet, notre assistante de formation, donc pour le CNAM Vierzon. Elles sont rapidement rejointes par Kathleen Boustel. Cette équipe compétente et rodée a donc en charge l'ensemble de nos activités locales sous la houlette de notre directrice régionale Sophie Bréard et de son équipe de direction, en particulier de la responsable du pôle développement et déploiement de l'offre, Caroline Venot. Le travail de coopération avec les acteurs locaux et de l'orientation, de l'insertion, de l'emploi et de la formation professionnelle au niveau local a permis d'initier et de créer des synergies, notamment avec Pôle emploi, la mission locale, OREC 18, la Ligue de l'enseignement, le lycée Henri Brisson, l'IFSI, Via Formation et bien d'autres encore. La volonté de la communauté de communes de s'appuyer sur le CNAM Centre-Val de Loire et d'en faire un acteur à part entière du développement de l'offre d'enseignement supérieur sur le territoire, nous a amenés à également être associés à la réponse de l'appel à projet Campus Connecté, pour lequel nous représentons l'université de proximité. Là aussi, le travail s'est fait naturellement, tirant profit des compétences des partenaires pour construire une réponse de qualité et répondre aux attendus depuis bientôt 3 ans. Nous contribuons ainsi en tant qu'université de proximité au sein du campus, mais également nous soutenons l'activité d'accueil dans une belle complémentarité avec Séverine Cambrier, sa coordinatrice. Notre arrivée au sein du B3, aux côtés de l'incubateur B3 Village by CA, un crédit agricole, mais bon, c'est très anglais, d'Algosup et du Campus Connecté, marque une nouvelle étape et nous l'espérons de nouvelles perspectives d'association et de création de valeur au profit de l'attractivité du territoire et de ses habitants. Croyez en notre détermination à poursuivre notre projet, qui s'inscrit autant dans une dynamique régionale que nationale, sous l'égide de notre nouvelle administratrice générale, Bénédicte Fauvargue-Cosson. Nous maintenons... Nous maintenons notre esprit, le projet de fondation du fondateur du CNAM, l'abbé Grégoire, en 1794, qui est de s'adresser à tous et partout.
Enfin, je voudrais conclure sur une petite anecdote plus personnelle que j'ai déjà racontée à certains d'entre vous. En 1984, j'étais jeune responsable du développement d'un groupe de transport et nous avions gagné la délégation de service public des transports urbains de Vierzon, enfin de l'agglomération de Vierzon, qui fut l'une des toutes premières agglomérations en France à profiter de l'abaissement du seuil du versement transport, à l'époque, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, à 30 000 habitants, et ainsi de pouvoir offrir aux habitants un moyen de déplacement collectif de grande qualité. Bravo aux élus de conserver avec ce campus numérique B3 un véritable esprit pionnier. Je vous remercie et je laisse la parole à François Dumont. Merci Monsieur le Président. Je voudrais bien sûr saluer la directrice régionale, Karine Fulfrançois, qui va animer bien sûr le CNAM à Vierzon. J'aurais salué aussi Jean-Pierre Liverneau et Jean-Pierre Saunier, puisqu'ils ont été à l'origine du retour du CNAM à Vierzon. Salut mon ami Nicolas Sansu, député, et bien sûr Philippe Fournier, vice-président du conseil régional. C'est vrai que nous avons fait une longue histoire un peu là, ce qui s'est passé notamment au niveau du CNAM, puisque nous avions mis en place une étude il y a quelque temps pour examiner nos offres de formation sur Vierzon et voir un peu les trous qu'on pouvait avoir, comme on dit, dans la raquette. On s'est aperçu qu'on avait besoin de mettre en place un certain nombre de formations. Et le fait que le CNAM ait répondu à l'appel national, le CNAM au cœur des territoires, a permis d'élargir votre offre de formation et de le faire en lien avec les lycées vierzonnais, notamment, et de pouvoir comme ça prolonger le cursus de formation sur notre territoire. On l'a fait dans des locaux au début peu adaptés, en tout cas avec les moyens du bord, entre guillemets, comme on l'a fait aussi pour les autres, Algosup notamment. Et aujourd'hui, je suis très très heureux, c'est un immense plaisir de pouvoir inaugurer ces nouveaux locaux, la mise en place du CNAM dans ces nouveaux locaux. Et je crois que cette inauguration va être suivie de beaucoup d'autres tout au long du mois de septembre, puisque il y aura le campus connecté, Algosup, etc., qui va aussi se mettre en place dans ces locaux très rapidement et où on fera, je pense, qui feront l'objet aussi, je pense, d'inauguration, en tout cas, je l'espère, je le souhaite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir faire revivre ce site emblématique de Vierzon. Toujours un petit peu aussi d'émotion pour moi, parce que c'est un site dans lequel j'ai travaillé il y a quelques années, quand c'était encore la société CARS, où il y avait de nombreux salariés, près de 900 salariés quand je suis rentré dans cette entreprise. Et on a vu après ce site, avec Nicolas notamment et les élus de Vierzon, en déshérence pendant une période assez longue. Et pouvoir le faire revivre aujourd'hui, c'est pour nous un immense plaisir. Et pouvoir acter des offres de formation, c'est extrêmement important pour nous. Alors on a bien évidemment choisi de poursuivre la mise en œuvre de la réhabilitation de ce site. On va essayer de pouvoir émerger aux appels à projets pour pouvoir financer le reste du clos et le couvert sur les nefs qui restent à réaliser. On travaille aussi avec la région pour voir comment on pourrait mettre en place l'Institut de soins infirmiers au cœur du B3. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont se faire jour, ce qui nous permettrait d'en faire vraiment un site universitaire important en plein cœur de Vierzon, au moment où justement la ville est partenaire avec l'État d'un projet pour faire revivre aussi ce centre-gare de Vierzon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des éléments de vie importants qui se mettent en place sur ce site que l'on va faire revivre, que vous allez vous animer avec l'ensemble de vos équipes, avec Algosup, avec le campus connecté et avec le village Baïséa. Et je pense que cette nouvelle étape va permettre de faire revivre ce bâtiment et de aussi redynamiser notre vie et notre territoire. Et je voulais vous en remercier. Merci à vous de votre action pour vous. Monsieur le Président,
Monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, chers collègues élus, madame la responsable, chère Karine, mesdames et messieurs les partenaires, salariés, étudiants, quel bonheur aujourd'hui de commencer cette myriade de d'inauguration dans ce beau bâtiment par le CNAM. Le CNAM, c'est une institution, une vraie institution, mais monsieur le président, qui a su tout au long de ces années prendre le tournant de la nouveauté et d'accompagner l'évolution, et notamment l'évolution numérique en termes de formation, et je crois que c'est important. Donc un grand merci du travail que vous faites de faire évoluer vos formations. C'était pas le cas il y a quelques années, et il y a eu des impulsions, et aujourd'hui vous êtes parfaitement dans ce monde moderne qui évolue, et je crois vraiment vous en remercier. Deuxième remerciement pour le CNAM, c'est d'être présent sur les territoires, notamment les territoires ruraux. Là, je voudrais remercier les deux Jean-Pierre, mes amis et camarades, Jean-Pierre Saunier et Jean-Pierre Liberneau, qui ont œuvré aussi pour que le CNAM vienne sur un territoire comme Vierzon, fasse aussi émerger ces formations qui sont aussi importantes pour cette ville et cette zone extrêmement industrielle encore qu'est Vierzon et son bassin de vie. Et puis remercier aussi Karine et son équipe et son dynamisme qui, grâce à elle, elle a su, elle sait conjuguer bien sûr la qualité du travail, mais aussi le partenariat avec l'ensemble des autres acteurs aujourd'hui de ce campus connecté, donc ce campus numérique. Et donc vraiment, je crois que c'est important. Merci à toi et à toutes ces équipes. Pour finir, vous dire deux infos. Première info, pour les étudiants, à Vierzon, vous êtes accompagné par la ville et aussi par le CCAS, puisque si il y a potentiellement quelques difficultés, il y a l'épicerie sociale qui accueille les étudiants. C'est une politique que l'on porte avec la ville, le CCAS, c'est d'accompagner les étudiants aussi parfois dans certaines périodes compliquées. Et le deuxième élément, en tant que vice-président de la région en charge des transports et des mobilités, vous dire que dans le week-end prochain, pour les jeunes, alors pour les jeunes, de 16 à 25 ans, Jean-Pierre, le week-end, il y aura la gratuité des transports Rémi, c'est-à-dire les trains, les cars qui seront gratuits à partir de ce week-end. Donc c'est une nouvelle avancée après la gratuité des transports scolaires. C'est le deuxième étage de la fusée gratuité. Donc c'est aussi un moyen de permettre à des étudiants d'ailleurs de venir à moindre coût. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Travaillons ensemble pour le développement de Vierzon et du développement universitaire et des formations à Vierzon. Je vous remercie. Merci monsieur le président de votre invitation, monsieur le vice-président de la région centre, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les formateurs, les élus, je vois des vice-présidents de la communauté de communes, plusieurs, des élus municipaux, mesdames, messieurs. Je voulais commencer aussi par remercier Jean-Pierre Saunier et Jean-Pierre Liberneau d'avoir maintenu la flamme, parce que c'était aussi ça la question, c'était que le CNAM ne disparaisse pas complètement de Vierzon, et faire revenir les premières formations. Et quand je suis allé, puisque auparavant j'avais la casquette de maire de Vierzon jusqu'il y a un peu plus d'un an, quand je suis allé voir Olivier Faron, qui était le directeur général du CNAM à ce moment-là à Paris, et qu'il y avait l'appel à manifestation d'intérêt, on s'est dit que Vierzon, avec le travail qu'on faisait autour de l'action cœur de ville, autour du
programme de renouvellement urbain de centre-ville, il ne fallait pas rater la marche de la formation et de l'enseignement supérieur en plein cœur de ville. Et ça a été un choix stratégique que connaissent bien Franck Janin, que connaissent bien d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, que connaissent bien aussi les proviseurs des deux lycées, puisqu'on avait travaillé avec eux, sur l'idée comment on fait pour que notre ville retrouve aussi du dynamisme autour de la jeunesse, autour de l'enseignement supérieur, autour de la formation, en fait autour de l'intelligence, parce que c'est ça l'intelligence, la culture, la formation, et c'était ça l'objectif. Et cet objectif, on voit qu'il commence à se concrétiser. Il y a 4-5 ans, on était dans l'appel à manifestation d'intérêt. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire pour être dans les premiers lauréats, puisqu'on a été dans la première vague de villes retenues. Je veux remercier évidemment Sophie, parce qu'elle nous a aidés, mais aussi celles et ceux qui ont travaillé à la ville et à la communauté de communes. Je pense à Christine Poulain, je pense à Freddy Toinette, je pense à David Fagré, je pense à Emmanuel Alcon, parce que ce sont aussi ces personnes-là qui se sont impliquées pour permettre de réussir à faire en sorte que le CNAM croit dans notre projet, comme l'ANRU y a cru, comme l'Agence nationale de cohésion des territoires y a cru, et en fait, comme la Banque des territoires y a cru, et y croit toujours. Parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qu'on a fait ici, il y a 4 ans qu'on a été retenu, 4 ans qu'on a été retenu à peu près, et en 4 ans, on a réussi à montrer qu'on pouvait faire des choses, et montrer qu'on pouvait aujourd'hui avoir à Vierzon un pôle d'enseignement supérieur, un pôle de formation, qui pourrait aussi permettre de dynamiser la ville. Et ça va continuer avec, ça a été annoncé par François, on va travailler sur le site gare. Alors, la région a fait beaucoup sur la gare, en refaisant des travaux dans la gare. Mais l'objectif, là, c'est d'intégrer l'urbanisation de la gare à la ville, de refaire un site pilote de la ville, avec tout le lien avec ici, évidemment, avec le bas, avec le canal, de faire en sorte que les mobilités soient complètement prises en compte dans comment on vit la ville aujourd'hui, et de faire en sorte que notre ville soit toujours plus bienveillante, à la fois en termes d'environnement, en termes de déplacement, en termes de solidarité, et qu'on puisse se développer. Donc je veux dire que le CNAM, dans son travail ici, avec nous, est formidable, parce que, en plus, vous êtes un organisme qui nous plaît, qui correspond bien à Vierzon, dans le sens où vous êtes au service de tous. Alors vous avez cité l'abbé Grégoire, vous êtes au service de tous et au service du public, vous êtes un service public. Et donc ça nous plaît évidemment profondément. Donc longue vie au CNAM ici, longue vie au campus numérique, et puis merci beaucoup d'avoir cru en Vierzon, et vous n'allez pas être déçus. Merci. Maintenant à Sophie Brélard, la directrice régionale. Merci. Moi, je n'ai pas autant d'aisance orale, donc j'ai mon petit support papier. Merci à tous de ces prises de parole, d'avoir rappelé l'histoire. Et je me souviens de moments, effectivement, de travail avec Freddy Toinette, avec David Fagré, très intense pour la construction de ce dossier. C'était un très bon souvenir pour moi. Je vais m'attacher à vous donner un petit peu des éléments de ce que va être le CNAM en 2023-24 à Vierzon. Alors, ce que je vous présente, c'est le résultat. Tout le travail a été mené par l'équipe de Karine. Vraiment, Karine, bravo. Et notre première mission, hein, tout ça a été inscrit dans la réponse à l'AMI, c'était effectivement en accord avec la commune et puis la ville de développer, en tout cas de soutenir le développement d'une filière numérique à Vierzon. Et donc on a rapidement pu positionner, il y a quelques années maintenant, le diplôme du PASS numérique pro, qui aujourd'hui s'est transformé en diplôme supérieur de professionnalisation, inscrit au RNCP, donc c'est Répertoire National des Certifications Professionnelles, ce qui nous offre la possibilité de lancer des parcours en apprentissage et donc aussi des opportunités plus grandes de pouvoir financer sa formation pour nos jeunes qui n'auront pas à la financer du coup. Et faire le pari que les entreprises du territoire accompagnent ces jeunes dans le développement de leurs compétences. Donc on doit avoir une dizaine de jeunes à la rentrée qui vont suivre ce parcours de formation. Et puis, on propose également à la rentrée un DUST, donc un diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques,
Alors là, je prends ma note parce que informatique d'organisation et système d'information, donc encore dans le champ du numérique, uniquement la deuxième année, puisque au CNAM, on a cette chance de pouvoir faire des passerelles entre nos diplômes et donc aussi de raccrocher en fonction de l'état d'avancement de la personne en face de nous au parcours de formation, donc uniquement la deuxième année. Et là également, nous espérons avoir une dizaine de jeunes sur ce parcours. Et pour finir, et ça c'est pas nouveau, mais nous engageons la troisième année de la licence informatique, troisième année justement, en partenariat avec le lycée Henri Brisson. C'était aussi important pour nous, et c'est notre culture au CNAM de travailler en partenariat. Et donc on continue ce partenariat avec Henri Brisson, et donc dans la continuité du BTS qui est proposé aujourd'hui. Donc également, on espère 10 apprenants, donc une trentaine de jeunes qui vont suivre un parcours dans les champs du numérique à Vierzon sur cette rentrée. C'est un travail important, un travail de conviction avec des doutes, mais aussi d'y croire, quoi. Et c'est vrai que cette équipe à Vierzon y croit fermement. Notre deuxième thématique phare sur Vierzon, c'est le médico-social. Donc on l'a évoqué hein, tout à l'heure, le CNAM est revenu à Vierzon avec un certificat de compétence coordinateur d'activité de soins en structure médico-sociale. Et donc on a décidé, en fait, puisque ça fait maintenant quelques années, beaucoup de diplômés et des diplômés de toute la France hein, qui sont venus à Vierzon pour se former sur ce certificat, et bien de proposer la continuité, donc une licence professionnelle, gestionnaire d'établissements médico-sociaux et sanitaires, sachant que le certificat est une partie de cette licence. On est toujours sur ces emboîtements, que même on est bien joué au Lego. Donc voilà, on propose là, cette fois-ci, une certification inscrite au répertoire dans le cadre de la formation continue et pas dans le cadre de l'apprentissage. Et on a la joie, là, on a eu la joie juste avant les vacances d'apprendre l'accord d'habilitation sur un certificat de compétences accompagnateur de projets et parcours de vie. Donc là, plutôt dans la sphère du handicap, qu'on a décidé d'installer à Vierzon, aussi fort de l'expérience déjà développée, avec une dimension de captation également régionale. Donc on espère ainsi continuer à développer l'attractivité de Vierzon et affirmer cette filière médico-sociale à laquelle aussi on est attaché. Donc voilà pour les grandes filières. Et puis le CNAM, c'est bien plus que ça. Donc c'est aussi le catalogue de formation à distance qui va être proposé largement. C'est aussi des formations sur Vierzon développées en fonction des besoins. On a eu l'exemple l'année dernière dans le champ du commerce. Eh bien, on va continuer cette année. On est dans une démarche d'aller vers, d'aller rencontrer les entreprises. Notre vocation, hein, c'est bien d'accompagner les entreprises à acquérir les compétences qu'ils n'auraient pas. Et aussi avec des formateurs issus du territoire. Et on est fiers de pouvoir faire bénéficier à nos auditeurs de compétences déjà aussi ancrées sur le territoire. C'est aussi une chose importante pour nous. Ça valorise. Voilà, ça valorise. J'ai pas du tout suivi ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Vous comprendrez qu'on a une énergie folle. En plus, on a passé une journée tous ensemble. Toute l'équipe du CNAM Centre est présente ce soir et j'en suis vraiment très heureuse. C'est un événement important pour nous. Je suis fière d'être directrice de ce CNAM. Je suis fière que le CNAM se soit développé comme ça à Vierzon, mais on ne l'a pas fait tout seul. Et c'est avec le soutien de tous les acteurs locaux, de tous les partenaires qui ont aussi compris en quoi le CNAM pouvait être un moteur, pouvait apporter une pierre de plus à l'édifice. Et je ne doute pas que le fait que nous soyons maintenant au sein du campus numérique B3 aux côtés d'AlgoSup, aux côtés du campus connecté avec lequel nous avons déjà des liens, Alain l'a évoqué, aux côtés également de l'incubateur, je ne doute pas que ça va créer de nouvelles synergies, de nouvelles opportunités, des échanges en cours avec l'IFSI. Donc il y a encore tout un univers de possibles qu'on a envie. Et je ne doute pas qu'on y arrivera. Voilà. Merci. La parole à notre grande prêtresse de la journée, Karine, qui va vous présenter la suite. Voilà. Merci Sophie, encore bonjour à tous et bonsoir à tous.
Juste effectivement un petit mot pour vous expliquer comment les choses vont s'enchaîner maintenant. Donc comme vous l'aviez vu hein, dans l'invitation, on va enchaîner en fait avec une conférence. On va laisser quand même le temps à nos intervenants de s'installer. Conférence en lien bien évidemment avec toute la dynamique de notre arrivée sur le territoire, donc autour du numérique bien évidemment. Donc l'idée étant de pouvoir conduire avec chacun d'entre vous un échange, un débat autour de l'évolution du métier de développeur et en quoi effectivement ce métier évolue et éventuellement évolue vers l'hybridation. Effectivement, est-ce qu'on est tous programmateurs, développeurs, codeurs réellement, ou est-ce que tout qu'on fait, on évolue vers de l'utilisation de plateformes, voilà. Je vais les laisser, ils maîtrisent nettement mieux que moi en plus, débattre de tout ça. Donc une petite heure effectivement de conférence, et puis après on pourra se désaltérer et échanger plus individuellement tous ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment ravie de tous vous voir dans cet amphithéâtre ce soir. Merci.